très très rapide pour vous dire que ce bateau, enfin la décoration du bateau, cette exposition vivante, comme vous allez pouvoir le voir, c'est on vous accueille chez Brassens. Voilà, c'est un clin d'œil, c'est pour fêter évidemment son anniversaire et pour fêter nos retrouvailles, c'est vraiment les copains à bord. Donc c'est vraiment un endroit dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver, chanter du Brassens, manger, se réjouir, se divertir. Je l'ai fait pas toute seule évidemment, donc on était trois, il y a Christian Marty et Perrine Villemur. Et puis je voulais vraiment, vraiment vous remercier, monsieur le maire, vraiment, de tout l'enthousiasme que vous mettez pour le centenaire Brassens et toute l'équipe de Jean-Claude Dugrip, d'Adrien et de tout le monde qui font que ce rêve devient réalité. Et je vous assure qu'il y a quelques mois, c'était difficile d'y croire, mais on y est arrivé. Merci beaucoup. Traditionnellement, dans la marine, un bateau, ça se baptise. Alors, je vais appeler le Ferre Friou, qui va venir baptiser le bateau. Je vais demander à l'acolyte Jean-Claude Guesso de prendre les burettes. Je vais venir présenter au Ferre Friou. Et moi, je me contenterai de casser la bouteille sur la coque du bateau. Comme vous venez de le rappeler, comme le veut la tradition des gens de mer, je vais bénir ce bateau, le Rouquayrol, qui vient de jeter l'ancre dans le port de Sète dans le cadre de l'année Brassens. Bateau qui, tout au long de l'année du centenaire, aura pour mission de transmettre la mémoire de Georges Brassens. Bénir signifie dire du bien. Entre nous, je pense que si Georges nous voit et nous entend, il doit bien rire. Permettez-moi de rappeler avec le sourire à nos amis visiteurs, à tous ceux qui croient au ciel, comme à ceux qui n'y croient pas, que nous sommes sur une île dite singulière. Même l'impossible à Sète peut devenir possible. Je vais bénir maintenant, j'ai besoin d'un enfant de cœur pour me tenir le bénitier. Ne vous battez pas, messieurs. Monsieur le maire. N'oubliez pas, hein. Don Camillo et Pépone. Don Camillo, vous l'avez devant vous, mais où est Pépone? Entre nous, je serais bien tenté de mettre de l'eau bénite. Qui sait? Béné. Vous coupez après. Hein? Seigneur Jésus, sois présent à nos prières et aux souhaits de nos cœurs. Que ta main bénisse ce bateau nommé Rouquayrol, désormais à quai, et accorde aussi ta bénédiction aux compagnons charpentiers qui l'ont construit, à ceux qui l'ont restauré, à tous ceux qui monteront à bord à l'occasion d'une visite ou d'une manifestation culturelle, ainsi qu'aux femmes et aux hommes qui y travailleront, afin que ce navire, le Rouquayrol, puisse répondre à sa nouvelle vocation d'accueil. Amen. J'aimerais bien entendre le amen quand même. Amen. Ça fait plaisir, même les bouffes curées, ça fait plaisir à Georges. On dit amen. Bon, hey, comme j'avais promis. Attends.